Salut tout le monde, on se retrouve comme vous pouvez le voir dans un vlog. Encore une fois, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, même s'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Bref, du coup aujourd'hui je vous fais un vlog parce que tout simplement on descend à Aix avec du petit monde pour aller voir Marine et Clélia, excusez-moi, parce qu'elles organisent un petit goûter, meet-up, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc on va les rejoindre à Aix, donc je vais vous montrer un petit peu. Je suis donc avec Cassandra. Avec Ricky qui conduit. Et avec Mélanie qui. Voilà, coucou. Et par contre, elle n'a pas de chaîne YouTube, elle ne veut pas. Elle a juste un blog, je vous le mettrai dans la description. Et donc, du coup, bah, là, on va s'apprêter à partir un petit peu en retard à cause. Enfin, plus ou moins à cause de moi en fait. Parce que mon train. Voilà, la SNCF, on va dire. Parce que le train que j'ai pris pour aller à Lyon, il a mis 1h30 au lieu de 45 minutes. Voilà, à peu près. Donc, bon, je vous retrouverai tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire de la route, donc on va rien faire de passionnant. À part parler de livres, sûrement. On va faire que ça, je pense. Non, peut-être pas que ça, on verra. En attendant, je vois qu'il y a du monde sur la route. Alors, j'espère qu'on va pouvoir arriver suffisamment tôt. Parce que déjà, là, on sera à mort en retard, je pense. Bref, on se retrouve tout à l'heure. On est enfin arrivé avec 1h30 de retard. Enfin, on est arrivé. On est. Disons qu'on s'est garé. Désolé pour le cadrage parce que j'ai pas de retour là. Donc je sais pas si je cadre comme il faut. Mais voilà, on est arrivé. On est proche du parc. Avec 1h30, encore une fois, on s'est tapé les bouchons. Enfin bref. Du coup, là, on va rejoindre un petit peu le monde. Et puis je vous retrouve quand on y est. Et vous ne levez pas la main si vous voulez rester là, c'est clair? Ben, ouais. Tu veux marcher? Mais marcher pour aller où? C'est ça la en question. Ville. En ville, pour aller voir Aix. Et c'est. On peut faire les deux. Bah oui. On peut se poser un petit peu et marcher. Mais ils se posent depuis longtemps. Eux. Ah oui, c'est pour ça que j'y vais. Et vous aussi, du coup, vous roulez. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'imposer. Qui veut marcher? D'accord, alors on reste là? On reste là. C'est moi qui lève la main. Non, non, moi aussi j'ai la main. Je pars tout, promener. Écoute, voilà. Ça fait combien tout ça? On est quand même 1, 2, promener. 2, c'est tout. 3, allez se promener. 6, 7, 8, c'est beau, hein. C'est beau. 10, qui veut marcher? Bon, attends, c'est pas moi, je suis Alors je sais pas si vous allez m'entendre, mais là on part, on va aller se promener à Aix. Puis les filles vont sûrement nous amener dans une librairie, hein, parce que je pense que c'est le passage incontournable. Bon non, moi j'ai pas le droit de craquer, je suis en challenge zéro achat. Je suis avec Mathieu, j'espère que je cadre bien encore une fois. Mais oui, mais oui. T'es toujours zéro achat, c'est tout. Donc voilà, là on va se promener. Et puis je vous retrouve si s'il y a des choses intéressantes. On est assez nombreux quand même. Je sais pas quand est-ce que je vous mettrai la photo, mais j'ai pris une photo, voilà. Plein de monde. Donc je vous dis à tout à l'heure. C'est qui veut trouver un manga? Alors voilà, je vais lui trouver un manga. Ah oui, on va revoir là le truc qu'on n'a pas réussi à trouver avec Cassandra quand on a fait le challenge sur sa chaîne. Allez voir si vous l'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans la description.
Petit Prince dans cette édition. Ah ouais? Ouais. Moi j'achète plus là. Comme vous avez pu le voir, on vient d'aller dans une librairie VO, je sais pas si vous m'entendez, j'espère, parce que il y a un peu de bruit. Donc du coup, oui, on est allé dans une librairie VO et c'était bien sympa. Il y a beaucoup de choses, mais il y a pas beaucoup de hardback. Donc voilà, là on attend ceux qui traînent encore. Et puis donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Là c'est fini, on est de retour, enfin on est sur le chemin du retour plutôt. Voilà, on a terminé cette journée qui était assez courte vu qu'on n'est pas resté très longtemps, vu qu'on est arrivé en retard, mais ça, c'est pas grave, on a quand même pas mal profité, comme vous avez pu le voir, on a fait un petit peu le tour des librairies. J'ai pas filmé, mais on est aussi allé à la FNAC, tu peux, voilà. J'ai craqué aussi, mais c'est pas un livre. Enfin, théoriquement, ça compte pas pour le challenge zéro achat parce que ça rentre pas dans ma palle. Voilà, ça cache ce carnet, voilà, donc vous le savez maintenant, j'ai craqué, mais ça compte pas pour le challenge zéro achat, donc ça va. Donc là bah on va rentrer, on a pas mal de route, il est 7h30, on a prévu d'arriver vers 22h30 sur Lyon. On verra bien comment ça se passe, mais j'espère que ce sera pas trop tard non plus, parce que moi faut que je rentre chez moi, enfin pas mal. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure parce qu'on va sûrement s'arrêter, je sais pas, on verra. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, on est dimanche matin et en fait je suis... Vous avez peut-être reconnu le fond derrière, je suis encore à Lyon, chez Treki, tout simplement. J'ai passé la nuit chez Treki parce qu'on est arrivé tard hier soir et je me sentais pas de redescendre chez moi avec une heure de train plus une demi-heure de route. Voilà, donc du coup j'ai passé la nuit ici et là bah, on va aller faire un tour parce qu'il y a un pique-nique qui était prévu avec les booktubeurs qui sont du coin de Lyon. Donc voilà, du coup je vais poursuivre un petit peu le vlog avec vous et vous emmener pour le pique-nique. Donc je vous retrouve tout à l'heure et je voulais juste le dire, je vais le dire maintenant et pas plus tard. Mais voilà, hier c'était vraiment super cool, ça m'a trop fait plaisir de revoir Marine, de rencontrer enfin Mathieu et Clélia que je suis depuis super longtemps. Et puis de rencontrer aussi toutes les personnes qui étaient là pour les filles, parce que voilà, c'est toujours super cool. On a fait le tour des librairies, comme vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Voilà, franchement, j'ai grave kiffé. C'était encore une super journée. Et puis voilà, encore une fois une super journée. Et voilà, et si ça pouvait être tous les week-ends comme ça, moi ça m'irait très bien, même si c'est pas possible. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. De toute façon, je vous retrouve tout à l'heure pour le pique-nique. Bon alors on se retrouve, on est avec tout le monde. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas si j'arrive à cadrer. Là. Et voilà, on vient de finir de manger. Dédicace à... Là. Dédicace à Marine, on a mangé une tartine mais elle était pas au pop, désolé. Voilà, je voulais la faire celle-ci. Donc voilà, dédicace à toi Marine. Et puis là, bah, on a fini de manger, on papote. On papote de livres forcément. On parle de certains événements livresques qui vont pas tarder à arriver, notamment les Imaginales. Vous pourrez retrouver Hélène. Et puis voilà, il y a plein de trucs. On parle de Montreuil, même si c'est loin, on a le temps encore. Et puis voilà, du coup, on continue à blablater. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je sais pas si je serai encore avec tout ce petit monde, mais voilà, je vous retrouve tout à l'heure.
On se retrouve une dernière fois pour ce petit vlog. Je suis désolé en fait, aujourd'hui on est lundi. J'ai un petit peu oublié de terminer le vlog hier, mais voilà, du coup je termine maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'était un super week-end encore. Voilà, vous avez déjà parlé, mais les week-ends comme ça, j'adore parce que un week-end de rencontres, ou alors des personnes qu'on a déjà vues, mais on parle de bouquins tout le temps et toujours, et voilà. Et voilà, c'était vraiment encore un week-end super cool, assez fatigant quand même parce que on a pas mal couru et pas beaucoup dormi au final, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis voilà, aujourd'hui du coup on est lundi, j'ai enfin monté la vidéo deuxième partie du Whisper Challenge que j'ai édité et tout ça, il faut juste que je la mette en ligne. Et un petit peu plus tôt dans le vlog, je vous ai dit que j'avais acheté un livre, enfin c'est pas vraiment un livre, c'est un carnet, donc c'est ça cache ce carnet, et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer et bien m'amuser parce que des choses assez sympas. Et puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu parce qu'à mon avis il sera pas très long, j'ai pas beaucoup filmé et j'en suis désolé, mais c'est vrai que je préférais profiter du moment sur l'instant, surtout que la plupart du temps ce week-end c'était des discussions, du blabla, et donc j'allais pas filmer des discussions quoi. Enfin bref, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine, ciao.